Donc voilà, alors bonjour pour ce nouveau tutoriel Pakim 50 pour un effet lumineux. Donc nous allons créer pareil que ça, donc voilà. Alors c'est parti. Alors, nouveau. Fichier nouveau. 1024 pixels. 1024 pixels par 1024 pixels. Ok pour valider. Vous cliquez sur le petit cadenas ici de l'arrière-plan. Ok pour valider. Alors, vous peignez en noir. Voilà. Et vous reprenez l'arc. Vous prenez l'outil texte. Et vous marquez Pakim 50. Donc voilà. Donc vous dupliquez ce calque. Donc CTRL J pour dupliquer ce calque. Alors vous prenez ça et vous prenez là. Alors. Vous prenez les petits outils là. Donc là. Et celui-là. Voilà. Donc alors, maintenant, vous faites fusionner les calques. Vous faites filtre, déformation, coordonnées polaires. Ok pour valider. Et on fait CTRL T qui veut dire CTRL transformation. Vous tenez appuyé sur Shift et vous le mettez de ce sens là. Alors, faites filtre esthétique souffleurie. Ok pour valider. Alors, on l'a fait une fois, on refait CTRL F une fois, deux fois, trois fois. Donc voilà. Alors. On refait Shift et on remet de l'autre sens. Donc on fait CTRL F une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Alors CTRL T et on le remet ici. Voilà. Alors on fait déformation, coordonnées polaires. Et voilà. Alors maintenant c'est ça. Donc vous venez cocher le Pakim 50. Ouais, on le met. Alors, incrustation en couleur. Donc moi je vais prendre le noir. Donc ok pour valider. Donc alors ok là. On va créer un masque de fusion. Donc ici, voilà. Voilà, alors créer un masque de fusion. Teinte et saturation. On cache la case redéfinir ici. Et on vient chercher ce qui nous intéresse. Donc voilà. Alors moi ça m'intéresse comme ça. Non. Voilà. Et maintenant ce qui est bien avec avec Photoshop, c'est qu'on peut reprendre la vignette et la mettre avec une nouvelle couleur. Ok, on va le dire. Donc voilà. Alors ça c'est bien parce que on peut faire ça. Donc, voilà. Alors maintenant vous revenez avec ici. Vous prenez un masque et vous faites deux niveaux. Voilà. Donc ici là, le petit truc là.
ici. Donc vous venez chercher ça ici, ici, ici. Donc voilà. Alors vous avez appris à faire ceci pour faire un effet texte lumineux. Voilà, merci.